Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter la Fairy Box, ma deuxième Fairy Box et avant-dernière parce que je me suis abonnée pour 3 mois. Voilà, donc je vous rappelle que cette box est une box pâtisserie. Et donc nous allons découvrir ensemble ce que contient cette box. Alors, en premier, chose qu'ils avaient oublié de mettre le mois dernier, la feuille nous disant ce que contient la box. Alors, que dire? Comme vous pouvez le voir, c'est une feuille A4, toute bête, blanche. Voilà, après ils ont choisi de jolies couleurs. Mais je veux dire, c'est une feuille A4 imprimée sur une imprimante. Enfin, toute bête, ça fait pas très professionnel. C'est le genre de truc que je fais, moi. Je veux dire, bah, toutes les box que je vous présente jusqu'ici, le menu est présenté sur des fiches cartonnées, avec un design. Enfin, ça se voit que c'est pas fait bêtement à la maison, à la main. Enfin, bêtement. J'ai pas envie de critiquer non plus, mais je veux dire, cette box, je me rappelle plus, je crois que c'est 22 € par mois. Le menu est présenté comme ça. C'est dommage. C'est pas très important. Mais quand on commercialise quelque chose, je trouve que faire des supports professionnels, c'est mieux. Bon. Petit aparté. Alors, nous avons dans cette box des petits chocolats de Pâques. Miam, miam, miam. Et oui, c'est déjà... Nous avons un sachet de thé. C'est un échantillon. Thé vert, gingembre, citronnelle, ensemble végétal d'une grande fraîcheur. Des sachets. Ça, je trouve ça rigolo. Je pense que ça doit être du coup pour mettre le thé. Je pense. Voilà, des sachets. Nous avons aussi un kit pour faire des cupcakes. Donc, il faut rajouter 4 œufs et 50 centimes d'huile. Et avec ce mélange, nous ferons des cupcakes. Et pour les cupcakes, des petites caissettes. Avec des fraises. Elles sont très mignonnes, j'aime bien. En plus, ce n'est pas des petites caissettes en papier, elles sont quand même assez rigides et tout. Donc, bien. Nous avons aussi des cake toppers. Voilà. Donc il faut les découper. Il faut un bijou gourmand. Alors, comment l'ouvrir ? On va tout simplement comme ça. Voilà. Un bijou. Moi, je ne suis pas une grande fan des bijoux de ce type parce que je trouve que ça fait assez petite fille. Après, de toute façon, en m'abonnant à cette box, je savais qu'il y en avait, donc je ne vais pas critiquer sur ça. Et en plus, je sais qu'il y a des gens qui adorent. Nous avons une recette, comme le mois dernier. La recette du gâteau au chocolat, enfin d'un Skyline Hot Chocolate. Pour être pas... Moi, je préférerais qu'ils écrivent en français. Bon, bref, ça doit être un gâteau au chocolat, tout simplement. Et à la fin, dedans, nous avons des petits chocolats, plusieurs petits chocolats en vrac. Pas tous si vous voulez sortir. Voilà. Alors, bah écoutez, une box encore bien sympathique. Et très bon point, rien ne s'est renversé ce mois-ci. Donc, enfin, il y a un petit peu de poudre qui peut peut-être venir de là. Bah, rien de catastrophique. C'est pas comme tout mon gobelet qui s'était renversé dans la box le mois dernier et que ça en mettait de partout. D'ailleurs, j'ai quand même pu boire le gobelet de la box du mois dernier. Je l'ai bu. Voilà. Alors, c'était du café.
Mais moi qui n'aime pas le café, j'ai aimé quand même. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ne restait pas beaucoup de poudre? J'en sais rien. Donc, voilà. Voilà pour cette deuxième box. Et du coup, bah, j'attends la troisième box le mois prochain. Et puis, je vous ferai un petit résumé, mon avis sur ces 3 mois d'abonnement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.